Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de janvier. Bonne année à tous. N'oubliez pas, avant que nous démarrions, que euh, vous pouvez faire partie de notre communauté, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton Rejoindre et que vous aurez euh, plein de petits cadeaux. Ensuite, il euh, y a 12. Euh, notre site où vous pouvez faire euh, des compatibilités, euh, avoir un horoscope, euh, votre thème astral même. Vous avez également les consultations avec Zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits posts quotidiens. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de janvier, bon anniversaire. Hein d'abord et premier décan vous s'est passé mais la fête continue puisque Jupiter vous envoie un bon aspect qui va durer jusqu'au 12 février. Il a déjà eu lieu cet aspect mais vraiment pour le tout tout début du signe entre mai et juin, il y en a beaucoup beaucoup d'entre vous ne l'ont pas reçu et vont donc le recevoir d'ici le 12 février. Donc elle occupe les poissons, euh, la planète, elle est très forte en poissons et c'est votre secteur 3. Euh, Jupiter, vous le savez, amplifie tout, hein, braque le projecteur sur le domaine euh, euh, va, euh, dans lequel elle va agir, qui est euh, le domaine des échanges, le domaine euh, euh, des écrits, le domaine des, euh, des négociations. Euh, des petits déplacements, des démarches à faire. Et avec Jupiter, souvent, on doit faire des démarches administratives. Hein. Il y a vraiment une forte probabilité que vous ayez des démarches administratives à faire. Mais bien sûr, ça n'est pas que ça. Euh, disons que vous allez aussi peut-être vous rapprocher de vos frères et sœurs, euh, que votre entourage peut euh, s'élargir avec Jupiter. Vous pouvez accueillir une nouvelle, un nouveau membre, une nouvelle pièce rapportée, comme on dit. Euh, tout ça est possible de la même manière que euh, vous pouvez tirer profit, euh, parce que Jupiter est une planète de profit, euh, de euh, votre commerce, si vous êtes dans le commerce. Euh, euh, la clientèle peut s'élargir. Il y a toujours hein, cette notion d'amplification euh, avec Jupiter et euh, de trouver sa place aussi. Hein. Et dans l'activité qui est la vôtre, euh, c'est sûr que vous allez trouver votre place et une bonne place. Deuxième décan, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez recevoir Vénus. Hein elle est déjà passée une première fois, là elle passe en marche arrière, elle est rétrograde et elle reviendra directe à la fin du mois. Mais euh, ce qu'il y a d'intéressant, bon d'abord le fait qu'elle passe par conjonction sur votre soleil, c'est très agréable, hein ça vous donne l'impression d'être plus séduisant ou d'avoir séduit quelqu'un que ce quelqu'un est tombé amoureux de vous, que vous êtes tombé amoureux, euh, euh, bon, ça a pu se passer comme ça a pu être euh, une possibilité qui ne s'est pas encore concrétisée. Euh, et alors, l'important, hein, ce mois-ci, c'est qu'elle va stationner, hein, euh, bah, rétrograde en début de mois, puis très vite, elle va stationner à rester sur le même degré de votre signe, hein, le onzième le degré d'ailleurs, douze, treize, douze, onze de voilà ce sont les degrés sur lesquels elle va se trouver et elle sera en bon aspect avec Uranus. Donc soit des amis euh, vont vous présenter quelqu'un, hein, c'est euh, Uranus représente souvent les amis, soit dans une euh, situation improbable euh, vous allez également euh, rencontrer quelqu'un. Soit, si vous êtes déjà avec quelqu'un, eh bien, euh, une situation un peu spéciale, vous allez peut-être apporter quelque chose de nouveau à votre couple, euh, faire quelque chose de, de différent d'habitude, mettre du piment dans votre relation, enfin bref. Il y a euh, une espèce de petit phénomène d'excitation hein, pour ceux qui sont en couple. Mais Vénus, c'est également l'argent, hein. c'est pas uniquement l'amour, c'est une planète de confort. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous met dans le confort Le fait de sentir aimé et le fait d'avoir de l'argent. Donc, l'argent peut également rentrer, et de manière surprenante, quand Vénus va être en bon aspect avec Uranus. Hein. Vous pouvez. Euh, être complètement euh, étonné. Troisième décan, je vous rappelle, mes amis, que vous avez eu tout le mois de décembre une conjonction entre Vénus et Pluton. C'est euh, ça a pu être vraiment un énorme plaisir pour certains qui ont découvert des choses importantes sur l'amour, la sexualité, euh, la vie, la mort, etc. Hein, avec Pluton, c'est tous ces domaines hein, qui sont concernés. Euh, et euh, Vénus ayant rétrogradé et étant rétrograde, eh, eh bien, euh, bon, vous avez pris du recul, peut-être parce que c'était trop fort trop intense, ou que euh, vous avez eu peur hein, d'une certaine manière, euh, ça vous a angoissé, ce que vous avez ressenti, hein, c'est possible, mais c'est possible aussi que ça a été quelque chose de négatif, hein, une période euh, de tourment, hein, ce mois de décembre. Mais bon, là, au mois de janvier, évidemment, Vénus a reculé, elle n'est plus, mais le Soleil passe sur Pluton et réveille donc un petit peu euh, les sensations, les impressions, les sentiments qui ont été les vôtres au mois de décembre. Et ça n'est pas terminé, hein, étant donné que Vénus va repasser hein, début février au même endroit. Donc, euh, bon, il euh, y a quelque chose dont peut-être euh, euh, qui vous tourmente, certainement. Euh, et ça va être actualisé par le passage du Soleil hein, sur euh, sur Pluton, euh, deux trois jours, hein, pas plus, mais ça suffira à vous remettre en mémoire euh, quelque chose euh, que vous avez vécu et qui euh, euh, qui vous a marqué. Hein. Alors, il est possible que ce soit quelque chose du passé aussi qui revienne dans le présent. Hein, euh, euh, Vénus dans votre signe, elle est sous le, le, le règne de Saturne, donc euh, hein, ça peut être euh, quelqu'un du passé qui est revenu vous tourmenter. Hein. Mais bon, euh, tout, ça, tout ce, ce genre de choses a toujours une fin. Pour terminer, alors vous avez votre vidéo, euh, votre année 2022, signe par signe, sur la chaîne. Ensuite, vous avez mes petits bouquins que vous pouvez euh, commander euh, sur Amazon, le hors série du version féminin euh, qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022, et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus, le 3210 et le site du Figaro TV Magazine.